Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, grâce à Dieu. Ma voix, elle est cassée, comme tout le mois passé. Je commence le mois de décembre aussi, comme ça. J'ai la grippe, les nez bouchés là, n'importe quoi. Mais bon, on n'est pas là-bas. J'espère que vous allez bien. Je commence ces petits vlogs là maintenant. Parce que voilà, hier, c'était mon anniversaire. Non, avant-hier. Le 1er décembre, c'est mon anniversaire. Pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs... vous remercier toutes les personnes qui m'ont vraiment souhaité un joyeux anniversaire par post, message, toutes vos bénédictions. C'était vraiment trop gentil de votre part sur Instagram comme sur WhatsApp. En tout cas, merci beaucoup. Et sur TikTok aussi, merci du fond du cœur. J'étais très bénie. C'était le 1er décembre, c'était un vendredi. Mais malheureusement, j'ai travaillé. Donc, je voulais fêter ça samedi. Hier, j'ai très bien fêté. Sauf que je n'ai pas filmé avec la caméra comme ça. Mais j'ai fait trop des snaps et des photos que je vais vous mettre juste après. Là, je m'apprête pour aller prendre mes enfants. Je commence avec vous. Vlogmas. J'aime beaucoup vlogger quand il s'agit de Christmas et tout. Donc, là, je vais aller prendre les enfants. Ils ont passé une nuit chez ma tante. Et puis, je vous mets quelques vidéos d'hier. On était en restaurant avec les amis. Pas les amis, sorry. Avec ma famille. Ma tante, ma soeur, vous allez la voir, vous la connaissez aussi. Et puis, voilà. Donc, voilà. Peace. Oh, j'avais oublié de vous dire, le premier, là, j'ai pas fêté. Mais à minuit, mon mari, il m'a surpris avec des petits cakes, là, gâteaux. Pour ceux qui me suivent sur Insta. Non, pas sur Insta. Sur Facebook, j'ai mis, ouais. Non, sur Snapchat. Ils savent, ils ont bien vu. Et donc, je vais vous mettre aussi juste après, comme ça, vous allez voir. J'ai reçu des fleurs, j'ai reçu quelques cadeaux des gens de ma famille. Vraiment, c'est trop, trop gentil de votre part. Dieu vous bénisse, en tout cas. On est ensemble. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pip pip pip. Ouré. Cette vase, ils sont juste magnifiques, j'aime trop. Et ensuite, ça c'est ma soeur que vous allez voir, vous avez vu, sorry,
qui m'a donné ça hier quand on est arrivé au restaurant. C'était trop magnifique. J'aime trop. We are back home. I miss you. Hi. Why are you mad? So guys, nous sommes à la maison. Je suis passée chez Walmart pour acheter quelques snacks pour les enfants. Je vais essayer de vous montrer. Après, je passe à la cuisine vite fait. Parce qu'on va manger, il est déjà 12h. Oui, il est 12h, on va manger. Et puis, ce petit jouet très magnifique que ma soeur a acheté à Nasir. You wanna play with? Yeah? Ici, les clignes, tout ça. Hier, j'ai fait mes ongles. Quelque part, là, de... C'est pas là où je fais trop souvent. J'aime pas trop, mais c'était pas mal pour l'anniversaire. C'était trop mon cher par rapport à où je fais. You're hungry? Ensuite, j'ai reçu aussi parmi mes cadeaux ces bougies. Ils sont trop bons, j'aime trop. Ils sont trop bons. Ma copine Shaina, elle sait que j'aime beaucoup les bougies. Magnifique. Alright, guys. Ok. Walmart. Grocery. Ok. So. Everybody's sick in this house. So, j'ai acheté du croquer pour Samir. Le lait. Jamais, mais j'ai juste augmenté. J'ai ramené des frites pour Monsieur. Gentle. J'ai rapporté du jus en est pour. Oui, Arabe, c'est du jus. Oh, c'est du jus, mais comme ça. Samir, s'il va prendre. Who knows? Only God. Ok. Ça, c'est du jus. Je remercie. J'ai ramené du fruit. Snack. Et ensuite, yogurt milk. Vanille. Et ça, c'est. Peach. Et puis, il y a d'autres là. Et là, maintenant, je vais essayer avec du fruit yogurt. Comme ça, avec Nasir. Il a refusé au premier temps. Mais maintenant, je vais essayer parce qu'il a une année déjà. Voyons voir ce que ça va donner. Celui-là, je vais faire les riz, le poulet. J'ai envie trop de manger les riz à la haricot, je ne sais pas pourquoi. J'ai trop envie, trop envie. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Ia, ia, yo. Alright. Je crois qu'on aime ici. On voit très bien. Dieu, merci, mais vraiment. Yami. Il boit. Ils ont tous enrhumé mes fils. Et Bouti. Next morning. What? Nasir. Nasir. Hey, papa. Il est temps d'aller à l'école, les amis. Nous sommes lundi aujourd'hui. Vlogmas day 4. Yeah. From 1 to 4, je vais mettre tout ensemble. Là, on est en train de prendre le petit déj pour aller à l'école. Voilà. Les enfants qui dorment pendant qu'on part aller. Au revoir. Oh my God. Les tonnerres. De retour à la maison, je me sens pas bien. Franchement, je me sens pas bien. Regardez la poubelle, comment tout est bizarre. Je vais d'abord essayer de voir ce que les enfants ont mangé.
So, aujourd'hui, la journée n'était pas vraiment bonne. Samir est malade. Il ne sait pas de pleurer. Du coup, on est allé à la récréation et je me suis rendu compte qu'il était en train de boiter une jambe. J'ai essayé de toucher de partout pour voir si ça va faire mal, mais pas du tout. Et jusque là, c'est le cas, il est en train de marcher comme s'il boitait, je ne sais pas c'est quoi. J'attends son père qu'il arrive et puis on va décider si demain on l'amène à l'hôpital. Mais il est vraiment trop weak, il est calme, les nez qui ne cessent de couler, c'est trop vraiment. Les trucs des daycare, ça me dégoûte un peu parce que depuis que j'ai commencé les daycare, mes enfants, ils sont malades chaque jour. Surtout les grippes et tout. Et c'est pas seulement beaucoup des enfants là-bas aujourd'hui, il y a des enfants qui viennent pas demain, c'est comme ça et tout. Le froid, bien sûr, ça a commencé, mais c'est chaque jour, genre toute sa semaine passée, j'ai pas travaillé. Aujourd'hui, on est parti, mais après, demain, je sais pas ce que ça va faire. C'est très compliqué, c'est bizarre, ça m'énerve. Là, je vais faire, j'ai trop faim. J'essaie de manger et puis voir comment ça va continuer. Ça m'énerve trop, genre. Alright, so. On va voir, ça, c'est Nassir, Samir. Il n'a pas mangé, c'est normal. Il a créé bu du jus et le lait. Et puis ça le coupe l'appétit, il ne mange pas. Tous ses snacks sont de retour. Il refuse de manger le foufou et tout. Mais après, il a quand même mangé lui. Oui. Et j'ai mis des pastas, il a tout fini. Donc c'est déjà bon. Oh, j'avais oublié ça là-bas. Alright, good job, Nasser. Là, je suis en train de faire un projet pour moi et puis voir comment je vais évoluer. The next day. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu. Je me sens encore un tout petit peu malade, mais c'est bon, j'y gère. Donc là, je suis en route vers la maison. Je viens du supermarché pour acheter les boissons et les snacks des enfants pour l'école parce qu'ils en avaient plus. Et enfin, je vais passer à la pharmacie pour prendre un médicament pour moi et mon mari. So, aujourd'hui, on était à l'école. Samir est rentré à la maison. On nous a fait rentrer avec lui parce que simplement, il est malade. Hein. La crise week, il ne mange pas et on a dit c'est un tout petit peu difficile que le médicament agit dans son corps. Le fait qu'il ne mange pas, c'est ce qui le rend un peu trop weak is miserable, like seul, il is crying. Mais quand on est à la maison, il a un tout petit peu dans le mood, mais il ne va pas bien. So, yeah, je suis rentrée encore à la maison avec, avec lui. Je prie Dieu en tout cas qu'il me donne la force parce que je trouve que ça devient un tout petit peu trop. Le fait que les enfants sont malades en même temps, c'est mon travail. Hein. Ouais, ce que je veux dire, c'est mon travail. Donc, l'enfant est malade, il perd le jour où il doit apprendre. Et moi, perso, le travail, le jour où je ne travaille pas. Donc voilà, cela je vais essayer de vous laisser. Je pense que je vais arrêter aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes Vlogmas Day 5. So, je vais juste arrêter par là. J'espère vous retrouver dans une autre vidéo Vlogmas 6, 7, 8. Je commence à faire 3 jours ou 4 jours. Pour vous permettre de voir tout ce que je fais dans ce jour là. Mais après, je vais aller chercher Nassir tout de suite, là, bientôt. Parce que Nassir est encore à l'hôpital. Sorry. Je suis un peu perturbée. Parce que simplement, Nassir est encore... à l'école. Toujours à le prendre. I hope you're enjoying this video. Make sure you give it a thumbs up. Subscribe on my YouTube channel for more videos. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien. I love you all, Jesus love you, and I will see you guys in my next one. Aksanti, peace.